Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Jonglerie. Aujourd'hui, je vous montre comment on pose du vernis semi-permanent. C'est parti. Au début, on désinfecte bien nos ongles avec un gel hydroalcoolique ou un spray désinfectant. Hop, c'est bien désinfecté, c'est super parfait. On commence par repousser les cuticules. Donc bien sûr, je sais pas si vous voyez bien en dessous là. Mais peut-être comme ça vous voyez mieux. Hein. Voilà, là c'est repoussé. Maintenant on prend la pince à envie, donc pince à cuticule. On va venir couper les peaux mortes. Donc moi c'est vrai que j'aime bien faire premier côté jusqu'au milieu. Et premier côté jusqu'au milieu. Quand cela est fait, je prends le bloc ponce, la lime. Et avec le côté le plus fin, je fais ma forme d'ongle, pardon. Voilà. Là, elle est faite. Un petit coup de plumeau pour dépoussiérer. Là, on prend notre bloc polissoir. On fait le milieu. Les côtés. L'autre. On dépoussière un petit peu. Ça brille encore un petit peu. Et on n'oublie pas au bout de l'ongle. Et là, notre ongle est prêt pour pouvoir mettre du vernis semi-permanent. À cette étape-là, quand on a donné le dernier coup de bloc, bien sûr, on repasse pas la main dessus, sinon on va remettre du gras, donc il faudra reponcer. Une base, la voici. Hop. Et une base, on applique en couche fine, toujours. On borde un petit peu l'ongle et on y va pour la première couche fine. Alors quand vous posez du vernis ou du gel, hein, que ça soit n'importe quel liquide, on va dire vernis ou gel en couleur, commencez toujours par le milieu, étirez un petit peu la couleur et après remontez vers les cuticules doucement. Parce que si vous mettez tout de suite la couleur vers les cuticules, vous allez avoir une genre de petite vague qui va venir dans vos cuticules. Derrière, il faut enlever, c'est la galère, forcément parce que c'est trop épais. Donc là, commencez au milieu, une fois que c'est bien posé, hop, vous étirez tout vers le bord libre. Vous bordez bien l'ongle, cela est très important. N'oubliez pas les petits coins qui sont ici. Deuxième couche fine comme la première. On commence au milieu de l'ongle et après on remonte vers les cuticules et on étire pour pas faire de traces. Hop, et on reborde, même à la deuxième couche, on reborde. On prend pareil la finition, pareil que la base, on la pose en fine couche. Et pareil, au début je suis venue mettre au milieu et je suis remontée vers les cuticules. Et là, on borde encore une fois, c'est ce qui fait que ça va durer dans le temps. Et voici, votre pose est terminée, on va dégraisser. Donc là, vous voyez, vous pouvez prendre votre petit sopalin avec du cleaner. Alors, c'est pas du tout la marque Peggy Sage, hein. C'est juste une vieille bouteille de ma première année que j'ai gardé, que je remplis avec du cleaner de ma marque de maintenant. Et là, on vient enlever le collant. Et voici. Votre ongle est nickel. Et voilà, vous êtes tranquille pour 2 semaines à 3 semaines. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.